bonjour les amis, je vous retrouve pour un nouvel unboxing. Donc aujourd'hui un sac. Ouais oui, un sac, il est vraiment pas beau du tout. Mais on va ouvrir dedans. Je pense que c'est quand même bien protégé. Allez, c'est parti. Ah, pas de haï, forcément. Alors, on va voir si vous le trouvez tout seul. Donc on a un câble. Donc un câble, un multicâble même je dirais. Hein. Vous avez plusieurs supports. Hein. Donc vous avez l'OTG, le micro USB, vous avez plein de supports différents. L'ancien port Apple aussi. Et vous avez de l'autre côté une prise USB normale. A votre avis, à quoi ça va servir tout ça? Hein, avec une prise USB, vous allez pouvoir brancher tous vos autres portables, peu importe la marque, dessus. Deux mousquetons pour venir accrocher. Et ceci qui n'est pas un portefeuille, vu la taille, et vous l'aurez deviné, un chargeur solaire. C'est génial pour les gros baroudeurs, hein, ceux qui aiment bien faire du camping sauvage, etc. Quand vous voulez toujours rester quand même connecté, hein, pour, même pour votre sûreté, vous emmenez ça avec vous dans votre sac à dos. Ça fait 35 grammes, ça pèse que dalle. Et vous pouvez partir en vadrouille dans la campagne. Vous êtes sûr d'avoir l'électricité pour charger votre portable. Si jamais vous avez un problème ou quoi, vous pourrez toujours contacter les urgences. À l'intérieur, bah, y a la prise. Vous allez venir connecter le câble USB et après de ce câble vous allez venir brancher votre portable. On est sur une puissance de charge de 2 ampères, donc c'est plutôt sympa. 2 ampères ça charge assez rapidement, hein. Généralement moi mon chargeur par exemple c'est 2,1 ampères, quelque chose comme ça. Et de l'autre côté, tac tac tac, vous avez 2 panneaux solaires monocristallins. Monocristallin, ça envoie plus de puissance que le polycristallin. Hein. Donc sur une surface réduite comme ça, c'est quand même intéressant. Et à la sortie, bah, vous aurez forcément du 2 ampères. Donc il vous faudra quand même de la lumière, hein, du soleil forcément. Et avec ça, vous êtes tranquille, vous pouvez partir à droite, à gauche, peu importe où c'est que vous irez, vous aurez toujours un peu d'électricité pour charger vos appareils électroniques. Donc des petits appareils électroniques, on va pas venir charger un ordinateur avec ça. Je l'ai testé, ça recharge bien le portable. Bon, le jour où je l'ai testé, il n'y avait pas beaucoup de soleil, mais j'ai bien vu que les pourcentages augmentaient, donc c'est que ça fonctionne. Donc pour ceux qui aiment se promener, je conseille cet achat, ça coûte une 30aine d'euros. C'est plutôt sympathique comme petit gadget, hein, et c'est surtout utile. Allez, je vous dis à une prochaine revue, bye bye.